Le second va passer quand arrêter. Quel dommage t'as fait dans le fond. C'est une raison que t'as parlé de nos mondes fous. Que j'en ai voulu servir. Ce matin, on me fait pour. Même j'en pense à chier. Il t'en dit. Il finit. Il montait en pied bois. Pour faire descendre pour à la calice. Et mon matin, aux yeux qui tendaient, les vies sous les hauts portées, ils étaient là, semaine passée, ils là encore. Pour retourner encore aux yeux tout puissants, qu'est-ce que ça va qu'à parler, qu'est-ce que ça va qu'à raconter, qu'est-ce que ça va qu'à dire, qu'est-ce que ça va qu'à voir. Et là, ma terre, Seigneur, puisque là, Seigneur, avant même que vous pensez, vous êtes pour lamentation des vents, on souffle des vents, vous déjà connaissez à vos besoins. Qu'est-ce que ça va nous mal encore, à cause de maladie, au nom de Jésus, avec des yeux charnels, je ne vais pas avoir su guérir. Mais fais comprendre, mon Dieu, avec des yeux spirituels, je déjà guéri. Et qu'il en soit maladie, et qu'il en soit tourment qui devant eux, et qu'il en soit montagne qui devant eux, qui permette avec des yeux charnels, il est impossible de nous connaître avec nous-mêmes, tout est possible. Avec les yeux spirituels, je déjà connaître. Montagne ont déjà dépassé, problème ont disparu, maladie ont disparu. Seigneur, le peuple des bons, mon Dieu, plus fort que puissant, déjà connaît chacun de ta place. Seigneur, merci d'avance pour tout son père dans la vie, nous. Merci, mon Dieu, pour tout le bien qu'on fait dans la vie, nous. Parfois, nous ne pouvons pas vous raconter ça qu'on fait pour nous-mêmes. Déjà, au nom de la vie éternelle, qui montre que nous y est pour nous donner la vie éternelle. Nous permet que nous cohéritions de vous-même dans le royaume, qui montre que nous y est. Les anges, par exemple, comprennent. L'air nous te déchu, pour qu'on bien encore, privilège, l'amour pour nous-mêmes. Seigneur, chaque monde qui l'a matin, vous connaissez mieux que vous-même. Vous connaissez même avant même la fondation du monde que vous avez là. Pas quitter aux yeux nous-mêmes, nous qui aimons. Pas quitter nous faire ça. Volonté nous prendre nous-mêmes personnellement. Qu'aimez-nous de préférence. Toute l'église dans l'univers, nous m'en savons. Car tous les noms, en esprit et en vérité, Seigneur, qu'aimez-vous. Quel côté aux yeux l'évangile va prêcher. Et pour dire que Dieu s'est enseigné, et même accepté pour y mourir pour même. Parce que l'évangile va prêcher. Et merci nous-mêmes, nous sommes un pays qui va nous libérer pour nous barrer pour une seule vérité. C'est un matin, nous venons, Seigneur, nous venons parfois vivre, nous venons parfois avec des tourments. Et ça qui vient au Dieu, qui n'est pas capable encore pleurer, toujours pleurer, et ça qui n'est pas capable de dormir. Et ça, c'est le corps qui fait au mal à cause de douleur, à cause de sucre, de tension, de cholestérol, toutes sortes de maladies, d'anxiété, toutes sortes de problèmes, ô Dieu, qui permettent que notre corps soit à l'aise. Mais au nom de Jésus, grâce au sacrifice de la croix, passez-nous, présentez-nous. De l'église, nous amènons, ô Dieu, de pasteur, nous amènons, sans la communion. Pour choisir le matin pour raconter au raccourci. Déjà, ô Dieu, servi avec nous simplement pour mon Dieu. Et nous même qu'attendons, nous sommes certains avec la certitude, bon monde quand même, qu'on voulait parler avec le matin, à cause de ce privilège. Pour nous diriger, ce que les musiciens, la chorale, tout le monde, ensemble, qui paye seul, qui a des pailles, matin, ô Dieu. Pas quitter, retourner, sans pas joindre deux croix. Pas quitter, retourner, sans pas sentir, Seigneur, pour te visiter. Pas quitter, retourner, sans pas sentir, Seigneur, pour te toucher. Te mettre de la paix dans le cœur, pour mettre de l'amour dans le cœur, pour te mettre de patience dans le cœur. Demande au Dieu de tirer tout ça qui n'est pas bon dans nous-mêmes. Tout ce qui n'est pas en continu contraire à ta volonté, retirez-le, chassez-le, loin de vous-même, enterrez-le vous-même, et permettez aux cieux que nous avons servi, puisqu'on a franchi déjà du péché. Je service à cette scène, ma mère, comme les petits parlements à suivre.
Tout ça, nous l'avons fait pour gloire, pour nom. Seigneur, vous dites, vous n'êtes pas de Vous dites à Jérémie, projet comme formé sous tes tours, c'est projet de paix et non de malheur, pour que ma vie meilleure. Tous les projets que nous avons assis, Seigneur, merci de ce que déjà résolu. Et la résolu, Seigneur, ce n'est pas pour nous frapper l'estomac. Ce n'est pas pour nous montrer que nous sommes capables. Ce n'est pas pour nous connaître que nous sommes capables. Mais c'est simplement par la grâce au travail. On va marcher vers l'avant. Seigneur, on connaît tout le bagage. Entends nos prières. Reste avec mon Père. En vertu de nos méfaits, nous gagnons mon cœur. Mais par mon Fils Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Thank you.
C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce et cette opportunité que l'accorder à chacun de nous, pour que matin encore nous puissions retrouver nous en chair et en os, en sa présence, sachant que Il est présent lui-même en esprit pour nous bénir et pour nous sanctifier, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. En effet, nous sommes au sixième mois de l'année, le premier dimanche du mois de juin. C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. Et nous baillons, bon Dieu, l'orange et action de grâce pour ça. Et maintenant, nous t'avons salué tous ces laïcs qui parmi nous a pu célébrer au cours de ce mois un nouvel anniversaire. Si anniversaire, c'est au cours du mois de juin, nous avons demandé pour capable de mettre debout de telle sorte que l'Église capable de saluer et également pour nous prononcer une bénédiction à la gloire de Dieu sur chacun de nous-mêmes. Tout le monde, if your birthday is in June, please stand up. OK. Non, et l'Église dit Amen. Alors maintenant, la bénédiction du Seigneur sur vous, c'est ce que nous retrouvons en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon anniversaire, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, nous t'aimons saluer nos visiteurs. Si c'est pour la première fois que vous rentrez dans le temple ça, pour adorer avec nous notre Dieu, nous demandons s'il vous plaît, mettez-vous debout. If you are coming for the first time, please stand up. OK. Tout le monde qui est ici à matin, nous habitués. C'est mon caillouillé. Le culte de ce matin sera suivi de l'administration de la Sainte Cène en commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et cet après-midi, et les dames de l'Église, les siloyées, sont convoquées sur demande de la présidente, la diaconesse Suze, et c'est pour 6h30. Donc, toutes les dames y attendent à 6h30 cet après-midi. Les services de la semaine se tiendront aux jours et aux heures régulières. Lundi soir, comme à l'ordinaire, nous allons gagner une réunion de prière. Mercredi, Dieu voulant, si Dieu le permet bien, nous allons gagner une étude biblique. Et vendredi soir, notez bien, vendredi soir, Dieu voulant, nous allons gagner un service de longue veille, de préférence et de prière à partir de 9h du soir jusqu'à minuit. Donc, tout le monde qui gagne possibilité pour que ce vendredi, le vendredi de cette semaine, fait l'effort qu'il faut pour que nous retrouvions ici dans la prière. Pour que bon Dieu capable de déverser sur son Église et sur chacun de ses membres ses grâces et ses multiples bénédictions. Donc ce sera pour le vendredi de cette semaine. Et jeudi matin, on a invité toutes les dames, surtout les dames de l'Église, si là, qui partent à leur travail. Jeudi matin, nous allons gagner une matinée de jeûne et de prière également. Samedi, Dieu voulant, à 10h30, il y aura répétition pour la grande chorale de l'Église. Et dimanche, et Dieu voulant, il y aura classe de l'école du dimanche à 10h. Et de même, l'ouverture de la classe pour les candidats au baptême. Donc dimanche prochain, les candidats qui veulent être baptisés, nous allons gagner une classe qui va commencer exactement à 10h du matin. Et à 11h, nous aurons le grand culte d'adoration et de louanges à Dieu. Et à ces annonces ordinaires, nous voulons bien ajouter des annonces spéciales. All parents,
must stay with their kids after church this morning for a quick and short meeting. Demandez pour que tout parent avec petit yo qui n'a assemblé à matin a immédiatement après le service de Sainte-Seine nous va arrêter pour une courte réunion. De même, si là yo qui t'est participé l'année dernière et à des séances de couture, donc notre bien-aimée sœur Julie et également sœur Dormé t'a aimé rencontrer nous après le service de ce matin, juste après le service de Sainte-Seine également. Les membres du comité du conseil d'administration sont priés également de rester après le service de ce matin pour une courte communication et c'est signé du président Jacques Hippolyte. En effet, le 19 juin prochain, tenez très bien, surtout les dames de l'église Siloyer. Le dimanche 19 juin prochain et aux environs de 4 heures, les dames de l'église Siloyer proposaient une rencontre exceptionnelle au restaurant Bohemia Breeze Island Grill. Ben, on va dire encore, les dames de Siloyer proposé yo pour une grande rencontre au restaurant Bohemia Breeze à Island Grill, au 612 Smith Event Mall, Lake Grove, New York, 11755. Donc, je demande toute dame qui est dans l'église Siloyer pour rentrer en contact avec la présidente, la diaconesseuse, pour de plus amples informations parce qu'il y a tant toute dame Siloyer. Le 19 juin, 4h p.m. au restaurant Bohemia Breeze. Ok. Maintenant, nous avons gagné une conférence hier à l'église baptiste de Clermont. L'église baptiste est Clermont à Brooklyn sous le patronage du pasteur Jimmy Raphaël. Donc, nous tenons à vous annoncer que cette conférence a été reportée au samedi 25 juin prochain, si Dieu le veut bien. Également, nous tenons à vous informer que selon le calendrier annuel de l'Église, il y aura déjeuner des hommes et des garçonnets. Déjeuner pour garçons avec garçonnets le 25 juin prochain, donc le samedi 25 juin, dans la matinée 9h30. N'a bien barbecue encore le 4 juillet et n'a gagné le 16 juillet en journée récréative. Nous allons aller au bord de la mer et nous avons besoin qu'on ait qui est le monde qui préfère, parce que nous avons obligé de faire une liste, le monde qui préfère aller local ou bien est-ce que nous avons déplacé pour aller plus loin dans New York là. Donc, avant de décider, avant que les membres du conseil d'administration décident, je t'aimerais que nous rencontrions avec eux, dit qui côté que nous t'aimerions le faire, de telle sorte que les dernières décisions, je ne vais pas prendre. Donc, ce sont des dates à retenir. 19 juin, les dames. 25 juin, déjeuner des hommes. 4 juillet, barbecue. Et 16 juillet, journée récréative. Maintenant, le conseil d'administration souhaite toujours recevoir vos dons généreux. Ben, vous le dites encore. Le conseil d'administration t'a toujours aimé que nous fassions des dons à l'église en considération de la taxe et des charges courantes à supporter. Et déjà, yo. Dis-nous un grand merci en la circonstance.
En effet, et dimanche après dimanche, nous toujours disons, priez les uns pour les autres, priez pour ceux qui sont malades. Pendant ce matin, nous sommes contents de revoir notre bien-aimée sœur Ifani Joseph dans l'assemblée au milieu de nous. Il y a longtemps, il n'est pas là avec nous, mais nous dit le Seigneur merci de ce qu'il permet que sœur Ifani soit capable dans le temps pour faire monter avec nous vers Dieu des hymnes de louange et la chant de grâce. Soyez la bienvenue. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, m'apprenez-nous pour nous songer, prier continuellement pour s'éloigner. Et surtout, chaque monde qui ici à matin, nous besoin pour nous penser à notre éternité. Et comme moi toujours dit, soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Président de l'administration a demandé pour ajouter sa folie des annonces que le pasteur fait faire. Non seulement dans le ouais, comité administratif, mais co-diaconat, même co-diaconat, dans la mer avec nous pour un coup de meeting après l'élection. On a demandé aux musiciens pour jouer pour nous un morceau qui n'a pas été préparé pendant que le collecteur à passer par Corbeil-Yo pour collecter offrandes et dîmes assemblées à la gloire de Dieu. Thank you.
manquer. Non, t'as remis que tout le monde a fêté, yo. T'as fêté anniversaire, yo, ainsi que les membres de la chorale, les musiciens, les membres du conseil d'administration, pour que après le service de ce matin, après le service de Sainte-Cène et la bénédiction, nous t'aurons aimé rencontrer nous au garage. Mille merci, que Dieu vous bénisse. Alors, Francis est là, nous disons tellement de bagages pour nous faire pour les bénédiction. Et là, nous allons diviser en 4 ou 5 parties. nous comptons, ouais, ce bien-aimé, Francis Café. M'oublie non, mais m'envoie le visage. Merci. Amen, sœur. Merci. Sœur, merci. Donc, on t'a ouvert avec Chita. Puis, on va se voir. C'est on sera toujours avec nous. Lui, son bagage, son bon silo et d'outre-mer. Là, en Haïti, mais depuis l'enterré, il n'est pas capable là. Donc, on t'a ouvert au bon retour. Nous comptons, ouais, sœur Jacques, tout. Nous connaissons l'hôpital. Sœur Jacques, un poteau, et sous la fonte, quand vous nous voyez. Sœur Jacques, nous comptons, ouais. Sœur Jeannette. Est-ce que c'est Jeannette là? Tout ça, c'est membre de l'église à d'outre-mer. Il y a ici, mais cœur est là. Avec nous, content, ouais, non? Et puis, sans oublier la caille. Nous, content, ouais, ce Jacques là, après longtemps, hospitalisé, mais bon Dieu fait le camper, il y a avec nous matin. Que bon Dieu bénisse. Nous mettons debout, nous tous, pour nous remercier le Seigneur pendant que nous avons dit l'histoire de Jésus, une histoire qui n'a jamais vieilli, qui ne va jamais fatiguer, dans le numéro 85. À l'espérance française. Relisez-moi l'histoire de la ronde de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. Car Christ, on me conduise comme un petit enfant.